En ce qui concerne le projet TEFIAL que je coordonne avec FAO, donc c'est un projet de conservation et de la conservation de la biodiversité, restauration et développement durable intégré du paysage dans les fleuves de Mangouk au sud-ouest de Madagascar. Il a comme objectif d'améliorer les services écosystémiques et les capacités de production des forêts humides, sèches et mangroves et des paysages dégradés par le biais de la restauration des paysages et des forêts à grande échelle. TEFIAL sera mis en œuvre pour une durée de 5 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2028, dans trois paysages qui s'étendent en totalité sur plus de 100 000 hectares des terres forestières et des terres agricoles. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui est l'agence d'exécution du projet, avec le FEM et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, sont en étroite collaboration pour assurer la gestion des ressources issues du FEM FAO en tant que partenaire opérationnel du projet. Notons que le financement du FEM pour la mise en œuvre du projet TEFIAL est à hauteur de plus de 7 millions de dollars US pour les 5 années de son existence.